Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play XCOM 2 en mode... je me rappelle plus du mode de difficulté. En fait, je cherche toujours le nom. Je sais que le premier, c'est vétéran. Et après, je sais plus. Je crois que c'est commandant. Je trouve pas le nom, d'ailleurs, du mode très bien choisi. Bon, enfin bon, bref. Donc, deux missions difficiles. Hein, les deux dernières missions avec des pertes. Des pertes pas définitives. Hein, je veux dire des blessés, plutôt. C'est plus exact. J'étais un peu inquiet. Après, quand je regarde la liste de soldats, bon, évidemment, celui-là 24, ça me paraît difficile. Hein. Mais là, 1 et 3, honnêtement, ça devrait mieux se passer. On devrait les récupérer avant la prochaine mission. Flo Terran, c'est le spécialiste. Je vais récupérer un grenadier. Donc, par contre, je vais manquer de grenadier. Donc, ça voudra dire moins d'accès aux grenades et tout ça. On jouera différemment, mais c'est vrai que ça aide quand même beaucoup. Bon, on verra. Pour l'instant, je vais passer le temps. Ce qu'il me faudrait vraiment, c'est 3 jours sans mission. Et je serais assez ravi. Alors, je vais... je crois que j'étais en train de faire les renseignements, là. Je vais avoir les canons Gauss aussi, mais sans argent. Je ne peux plus rien acheter, là. Ces découvertes, voilà, donc ça, c'est cool. Sans doute crucial pour nos efforts, commandant. Ça nous donne accès au canon du grenadier et au fusil du sniper. Ça, c'est bien. Il reste à se les payer, évidemment. Ça, ça va être autre chose. Ensuite, j'ai envie... En fait, il faudrait que je me lance dans armure blindée. Bon, je vais lancer ça. Ces robots développés par Advent semblent totalement autonomes et capables de cibler et attaquer des unités spécifiques sans aucune vérification extérieure. Bien que je sois chargé d'assurer le démontage initial, j'ai l'intention d'impliquer Shen dans ce travail. Ses connaissances en robotique dépassant les miennes. Voilà. J'adore ces... Franchement, les vidéos des autopsies, j'ai toujours aimé. Déjà dans le premier, c'était assez... J'aimais beaucoup. Et là, ils se sont dépassés encore, je dois dire. Je le courage et la ténacité de nos hommes sur le terrain. Ce que j'ai vraiment envie de faire... bon, d'abord, faut que je finisse ça, ça c'est clair. Ressources voilà. Stratégiques localisées. Ça me fait 97 de renseignements. J'ai envie d'aller voir en marché noir vite fait. S'il n'y a pas des choses intéressantes à acheter. J'aimerais bien, par exemple, soit un scientifique, soit accélérer... Le marché est ouvert. Alors, acheter... Et voilà, ça, ce serait bien. Accélérer armure blindée. Mais le mieux, c'est encore de se payer un scientifique. Mais là, j'en ai pas. Ah, je sais pas. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'un scientifique, ça me servira tout au long. Alors que là, c'est vraiment ponctuel. Je sais pas. Je me tâte. Bon. Ce qu'il me faut aussi, c'est des ressources. Ça va être compliqué. Hein. 7 jours, c'est énorme. Hein. Je pense que j'aurai pas le temps. Calcul du nouveau cap du Talion. Ah, ce que je pourrais faire, c'est vendre. J'ai peut-être encore des trucs à vendre. Voilà, on va produire le jack. La mine cérébrale, c'est quoi déjà? Alors, allons voir ça. Mine cérébrale. Comme si le jack n'était pas assez invasif, Tigan a mis au point une méthode pour... Enseignement... Ah, en fait, c'est pour extraire des caches de données, là. Bon, honnêtement, pour l'instant... Par contre, ce que je pourrais faire, là, c'est... Grenade expérimentale. Je vais peut-être faire une munition pour mon sniper plutôt. Et ouais, une munition. Nous nous mettons au travail tout de suite, commandant. Et je ferai une grenade prêt, après. Je vous contacte. Donc, ce que je voulais faire. Je réfléchis. Je voulais faire un truc finalement. J'avais changé d'avis sur quelque chose. Je voulais voir ce que je pouvais vendre. Calcul du nouveau cap du Talion.
Je vais voir si j'avais pas des trucs à vendre intéressants. Le marché est ouvert. Parce qu'il me faut des... Il me faut des ressources, là. Oh, putain. Alors, l'autochargeur avancé, je vais le garder. Non, en fait, j'ai déjà un peu tout vendu, j'avoue. Ah oui, j'ai plus rien, en fait. J'ai tout vendu, vraiment. Même si je vends des cadavres, là, je préfère pas en vendre trop non plus. Soldats... Parce qu'après, je vais plus en rencontrer des soldats, donc... 6... Je vais garder 6 de chaque, on va dire. Par contre, ce que je pourrais vendre, c'est des noyaux d'hélarium. J'en ai déjà beaucoup. Ouais, mais on en a besoin après. Non, je peux... J'ai rien à faire, hein. Et là, ça a changé la liste, peut-être, non? Je sais pas... Ah, c'est... J'avais pas vu ça, hein. C'est renouvelé tous les mois. Bon, je suis très malheureux, je dois dire. J'espère qu'il va pas y avoir de mission. Qu'on va avoir un petit sursis, là, de quelques jours. Et merde, c'est raté pour mon sursis. Ah non, ça c'est juste le projet Avatar. Ça, je m'en fous. Commandant, le projet Avatar des extraterrestres continue d'avancer. Ils peuvent y aller, ça. Si nous voulons les ralentir, il va falloir faire vite. Bon, déjà, je vais finir ça. Le résultat de ces recherches ne peut que nous faire progresser davantage, commandant. Des légions d'unité. Le Kremlin Mark II, ouais. Maintiennent la paix. Et le protocole Advent. Écran bleu, c'est pour faire bugger les. Sache, elles sont automatisées. Les unités robotiques. Bon. Il augmente notamment les statistiques de piratage. Ouais, c'est pareil. Protocole écran bleu, ok. Bon. Ça c'est bien parce que c'est des renseignements. J'achète. Je savais que ces recherches seraient votre priorité, commandant. Surtout que dès qu'un rapport complet on arrive à la fin du mois, donc on va avoir des nouvelles choses à acheter. Et merde, représailles. Ah, c'est pas le bon moment de faire ça, quoi. Ah là, je suis très inquiet. Nous mettons le cap sur l'Afrique du Sud, secteur 13. Je suis très inquiet parce que j'ai pas mon équipe complet. Commandant, un de nos soldats doit être équipé du jack et devra l'utiliser sur le terrain si nous voulons atteindre notre objectif. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai récupéré mon soigneur et mon grenadier numéro 1. Alors d'ailleurs, il faut que je choisisse. Là, je vais prendre suppression. Ok. Donc lui, je vais le virer, pardon, mais... Lui, je vais lui donner sa promotion. Je vais prendre aide-soignant. Je vais peut-être prendre qu'un seul... dorénavant, je prendrai peut-être qu'un seul soigneur par équipe. C'est fort possible. J'ai pas mon ranger numéro 1. J'ai mon ranger numéro 2, donc ça c'est cool. Je sais pas quoi prendre. Hein. J'ai pas fait assez de soldats. Hein. Je crois qu'il va falloir que j'en entraîne d'autres. Bon, lui on va lui mettre la grenade un peu particulière. Ok, bah je suis quand même un poil inquiet quand même. Hein. Là. Rendre armure. Rendre objet. Qu'est-ce que je pourrais faire? Plus de balles. Peut-être que le sniper profiterait d'un... Ou lui. Il y a combien de munitions dans cette arme? Il y en a 4 quand même, c'est pas mal. Hein. J'ai vraiment pas assez d'argent là. J'ai plein de choses à m'acheter. J'ai le sabre amélioré. Autochargeur avancé. Franchement, c'est pas ça que je veux lui mettre. Autochargeur avancé, j'aimerais bien pour un sniper par exemple. Il est quel grade lui? Ah putain, il a pas le petit bonus là qui va bien. Qui offre un bonus de toucher et de crit. Bon, par contre, il peut rester furtif. Donc, ça c'est bien.
Bon, bah, j'ai pas le choix, hein. Faut que j'y aille. J'ai failli oublier le medikit. Ok, je suis pas du tout emballé par cette mission. Mais alors, pas du tout. Ouais, c'est parti. Ça promet, hein. Moi, je vous le dis. Je la sens pas du tout. Mercure, unité menace prête au déploiement. Ce qu'il y a, c'est que il y a pas de timer, mais c'est tout comme parce qu'il faut sauver 6 Nous venons d'apprendre que les extraterrestres 6 otages, enfin 6 civils, résistance qui n'a aucune chance contre eux. Nous allons sécuriser la zone et éliminer les contacts ennemis. Ça c'est vite dit, hein. C'est moi qui vais faire ça. Allez, c'est parti. Il faut que j'utilise mon ranger de façon efficace. Hein. Menace 1-5. Les forces ennemies attaquent l'avant-poste. Éliminez toutes les unités hostiles et protégez les civils. Advent est arrivé en force. Tout comme nous. Ouais. Vous ne pourrez pas vous camoufler pour vous déployer cette fois. Allez, c'est parti. Le problème, c'est qu'il est derrière, là. Bon, c'est pas grave. Affirmative. Moving out. Alors... on va d'abord aller là. Le but du jeu, c'est de rester dans le mode, en mode furtif le plus longtemps possible, donc... Rolling. Ce qui serait bien, c'est de ne pas tomber sur un... Looks like hostiles over here. Ok, ils sont là, eux. Ce qui serait bien, c'est de ne pas tomber sur un... comment ça s'appelle, un gros, là, un anonyme. Alors, ceci dit, là, je peux leur tirer dessus, hein. Ça, c'est une bonne chose. On va tout de suite partir comme ça. J'aurai pas de couverture, mais j'espère bien tuer tout le monde. Ouais. Ouais, lui, il a vu sur le capitaine. J'aurai pas de couverture, hein. Ouais, j'ai bon espoir de tuer tout le monde. Déjà, celui-là c'est fait. X-ray neutralized. Après, on va voir où va se mettre le capitaine. Ok, il a avancé et il s'est pas bien mis, je trouve. Il s'est pas mis du bon côté de l'arbre, je crois. Bon, là je le vois pas, mais je crois qu'il est du mauvais côté de l'arbre. Entre guillemets, on va essayer de le choper. Et lui, il le voit pas non plus. Ah non, ça m'étonne du coup, je sais pas. Je vais aller là. Heading out. Ah, il est là. Oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Il s'est pas mis du bon côté de l'arbre, donc on va voir peut-être. 73. Ouais, bien. Bien. Honnêtement, c'est un bon début. J'ai de la chance, enfin non, c'est pas de la chance d'ailleurs, c'est grâce à cette comp du ranger qui permet d'avancer sans être vu, honnêtement. C'est très efficace. Ok. Cible neutralisée. Alors, ne nous emballons pas, évidemment, ce n'est que le début. J'ai pas envie de m'avancer devant mon ranger, ça me stresse. Il suffit peut-être d'une case pour découvrir un nouveau groupe d'aliens. Donc, prudence. Oula, il y a du lourd. Enfin, fallait s'y attendre de toute façon. Mais il y a du muton, ou je sais plus comment il s'appelle, mais... En tout cas, il y a du lourd. Ok. Alors, on va continuer. Hein. Ce qui m'inquiète, c'est de tomber sur un anonyme. Ça, c'est le gros souci de cette tactique. Moving out. C'est pour ça que je ne peux pas non plus trop avancer par rapport à son équipe. Parce que
c'est un peu mortel de dégoter un groupe d'anonymes. Heading out. Ok, ils sont là. Ces Goliaths semblent plus agiles que ceux que nous combattions par le passé. Mais les extraterrestres les envoient toujours en première ligne. Ils sont trois. Hein. Donc je pense que... Alors là, j'ai pas de point de hauteur, hein, donc il va falloir se débrouiller sans. On va se placer déjà. Ok. Ok, je pense qu'on est quand même bien loin là. Double time. Ok. Ici, je sais pas trop quoi faire. Je sais que tout à l'heure quand j'étais là, j'avais pas de vision sur eux là, donc je pense que je peux me mettre là sans trop de soucis, sans qu'on me voit. J'espère, hein, parce qu'il faudrait pas que je les fasse apparaître comme ça. Je crois qu'il est, il était où déjà? Je me rappelle plus où je l'avais casé. Je crois même que je l'avais casé de l'autre côté du la barrière. Parce que là, en fait, je comprends pas pourquoi il me voit pas. C'est vrai qu'on est loin. Ça dépend par où on va, quoi. Je vais me mettre là. Enfin, ça me fait peur, là. J'ai peur de les déclencher. Non, je crois pas qu'on ait une vision aussi éloignée. Bon, j'ai pas non plus d'intérêt à aller trop loin, donc... À vos ordres. Je vais rester prudent. Je vais recharger. Je suis de retour. Lui, il peut se mettre là. On your order. Ok. Et vigilance. Come get some. Tiens, là je vais les découvrir peut-être, non? Aïe, 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 ils vont me faire mal là. Salaud. Bon. Honnêtement, ça peut très bien se passer de nouveau avec ce groupe. J'ai la vue sur tout le monde. Ah, le muton, c'est sur lequel j'ai le moins bon score, évidemment. Ce que je pourrais faire, c'est me placer à un endroit pas trop pourri. Ouais, je peux balancer, je suis limite pour balancer. J'ai envie de me placer derrière ce cactus. Ah, je peux pas. Ah si, je peux me placer là. Il va pas falloir que je déclenche le... C'est limite, on dirait. Non, je pense que c'est bon. Go, go, go. On va pas me déclencher, toi, c'est bon. Tu sais... J'étais en dehors de la zone. Ah, bordel, c'est pas cool. Ah, du coup, je peux pas trop, là. Je pense que je vais mettre tout le monde en vigilance et puis... Je sais pas quoi faire. Donc lui, il a une vue sur personne. Ah si, c'est parce que c'était pas la bonne couleur. 77, hein. Et lui... 57 seulement. Merde. Je pense qu'ils vont, s'ils s'avancent, on va les cartonner. Je vais me mettre en vigilance partout. Vigilance pour tout le monde. Et on va essayer de faire un carton. I'm on it. Viens par là. Je pense qu'ils vont s'avancer, donc... Voilà. C'est là qu'il va falloir être fort. Ouais, bien. Enfin bon, ça aurait pu être mieux, mais...
Ok, ça continue. Ah, bien. Celui-là est très bien, par contre. Celui-là est bien. Et celui-là... celui-là est pas top. Beaucoup trop large. Bon. Ceci dit, on est quand même pas mal. Bon, par contre, il tue vite. Hein. C'est pas très encourageant, ça. Comment ça, ils ont déjà joué normalement? Ah, j'ai eu peur. Ouais, c'est parti, évidemment. Ah non, je vais arrêter la vidéo, j'avais 21 minutes. Bon, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous pour la suite de cette mission. Bah, ça va être compliqué, hein, forcément, je l'avais dit, mais on n'est pas si mal parti que ça, je trouve.